Bonjour tout le monde, aujourd'hui ça sera le haul Emma et Monoprix. Donc je vais vous présenter tout ça en deux parties. Donc la première partie, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Emma aujourd'hui. Je suis allée tout simplement pour m'acheter des écouteurs et j'en suis ressortie avec plein de choses. Donc parmi les choses à manger, je me suis acheté ça. Je l'ai déjà ouvert, bon, je peux pas dire que c'est quelque chose de super. Ouais, ça coûtait 2 euros, je crois. Bon, c'est pas un truc dont je raffole, mais ça va, ça passe bien avec la soupe. Moi, j'ai mangé ça avec une soupe, c'est des petits biscuits au fromage, des tout petits là, et des plus longs ici. Voilà, donc 150 grammes pour 2 euros. Après, j'avais acheté ceci, c'est à 2,75 €, ça c'est typiquement... hollandais, d'après ce que j'ai compris, ça s'appelle le gâteau d'amande, je crois, roulé au beurre à la pâte d'amande. Voilà. Bon, à goûter, je sais pas, ça coûtait 2,75 €. Et voilà, parmi encore une fois des choses à manger, donc c'était ça, 275 grammes, des caramels salés, donc d'après ce que je sache, non, c'est juste marqué des caramels, je pense pas qu'elles sont salées, donc en première place on a du sucre, donc c'est pas salé. Et ces caramels là, ça coûtait 3 euros une boîte comme ça. Franchement, je trouve que c'est pas mal pour offrir. C'est assez joli. Et puis bon, si vous n'offrez pas à la maison, ça peut être utile. Si je peux l'ouvrir. Voilà, comment c'est à l'intérieur, on a un sachet de caramel. Après, j'ai acheté un fuseur à thé. Un infuseur à thé, ça coûtait 2 euros. Il y avait des cœurs comme ça. Il y avait aussi des étoiles, mais j'ai pas aimé parce qu'il y avait trop de choses pointues, donc c'était assez chiant, je pense, pour nettoyer. Bon, cœur, c'est juste par pratique, que ça va se nettoyer plus facilement que l'étoile. Le choix n'était pas énorme, mais le prix 2 euros, c'est pas mal. J'ai également acheté ce petit panier qui était affiché à 6 euros, mais bizarrement il est passé à 4 euros, donc plutôt une bonne surprise. J'adore ces petits paniers en osier. Laqué, il y en avait eu des blancs et des noirs, et je crois qu'il y en a eu de gris même, je sais plus. En tout cas, je me rappelle bien des noirs et des blancs. Et ça, c'est déjà un deuxième que je me suis acheté parce que je trouve qu'il est assez pratique. Je l'utilise pour le maquillage, donc c'est-à-dire dans un que j'ai déjà, je mets des une taille crayon, je mets des crayons, je mets des recourbe cils. Donc en fait, c'est des choses qui prennent. Comme tout le maquillage, qui prennent un petit peu de poussière et de poussière de maquillage également, et qui tombent à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que ce panier, vous pouvez facilement passer à l'eau sans que vous l'abîmiez et que vous la jetiez par la suite. Donc voilà, par question de pratique, je me suis acheté ce joli panier à 4 euros. Je pense que ça vaut la peine. Celle-ci, je l'ai acheté pour mes rouges à lèvres parce que j'en ai de plus en plus. Moi, je les mettrai dedans, je les poserai... sur pied, on va dire, et comme ça je les verrai tous. Puis j'ai acheté, en restant dans les paniers, j'ai acheté un autre petit panier comme ça. Il coûtait 2,50 je crois, si je ne me trompe pas. Oui, il a coûté 2 euros ce petit flexible basket, ça s'appelle sur le ticket. Donc un petit panier comme ça, une petite corbeille, aussi pratique pour mes pinceaux parce que j'en ai. Oui, vous allez dire peut-être utilise ce que tu as, des verres et tout ça. J'en ai un verre et j'en ai marre de l'utiliser, j'en ai marre de le voir. Et j'ai de plus en plus de pinceaux, donc j'ai envie de les mettre dedans. Voilà, donc j'ai bien aimé ce petit panier et je trouve que ça va plutôt pas mal, noir et gris ensemble. Après j'ai acheté des piles, bon c'est juste par nécessité, ça coûtait 3 euros seulement, bon peut-être que ça va pas durer énormément longtemps, mais ça va pour le moment. Et puis j'ai acheté donc... à 2,25 et 1,50 €, j'ai acheté des adhésifs à photo, des autocollants et donc des coins à photo. Voilà, des petites choses comme ça. Je trouve que c'est très pratique pour les albums photo, pour coller vos photos et mettre, mettre des petits coins sur les coins. Voilà.
Et donc l'album photo aussi que je me suis acheté, parce que si vous vous rappelez bien, j'ai fait imprimer les photos que j'ai envie de décoller dans mon album photo. On peut en coller 42, bon, c'est pas énorme. Ce petit album, il a coûté 9 euros. Il est blanc à l'intérieur, il est noir à l'extérieur. On va ouvrir pour voir. Il y a des papiers de satin à l'intérieur. Elle est plutôt agréable au toucher. À l'intérieur, donc, ça se présente, si je ne l'abîme pas déjà dès le premier coup, comme ça. Vous avez donc une page noire, une page blanche avec donc justement ce papier satiné. Voilà. Que vous retournez, vous collez ici vos photos et ainsi de suite. Donc, voilà, je trouve ça assez joli, enfin, c'est simple, sobre. Voilà, j'espère que j'ai bien collé comme il faut mes petits photos que je vous ai déjà montré, qui sont imprimées et qui n'attendent que ça. Donc voilà. Ça, c'était la première partie de Haul Emma. Et deuxième partie, donc c'est Haul Monoprix. Et sans compter les oreillettes à Monoprix que j'ai acheté, enfin, les écouteurs, hein, donc Sony pour mon nouveau MP3 que je vous ai présenté. Je vais d'ailleurs vous présenter parce que je vous ai montré juste la pochette, je crois. Je l'ai enfin reçu, je suis plutôt contente. Certes, j'ai pas trop l'habitude pour le moment parce que avant j'écoutais toujours les MP3, hein, les Walkman. Maintenant j'ai un petit peu perdu l'habitude parce que j'écoutais souvent mon iPhone, et iPhone, la musique, elle était assez puissante. Maintenant j'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi forte, enfin je ne sais pas, peut-être qu'il faut s'habituer. Donc on ouvre la pochette et là on va voir justement que j'ai pas arrêté ma musique. Et là on va voir justement ce gel Walkman, je trouve qu'il est plutôt beau, vraiment j'adore. Donc je suis plutôt satisfaite de mon achat pour le moment, j'ai rien à dire de bon, de mauvais. Pour le moment je ne dis que des bonnes choses. Parce que je le trouve assez déjà classe, assez stylé. Et puis au niveau de qualité de son, je trouve que c'est plutôt bien. C'est assez facile de manipulation. J'ai facilement chargé aujourd'hui avec mon ordinateur. J'ai facilement mis de la musique dessus. Enfin, pas de difficulté. La seule chose, c'est que j'ai un peu du mal avec arrêter de la musique. Donc à chaque fois, ça me rebascule sur une autre. Donc il faut voir. Certes, j'ai pas lu la notice d'utilisation. Et puis voici les oreillettes, enfin les écouteurs que je me suis acheté chez Monoprix. C'est de la marque Sony. Pour le moment, ça va. Ces petits mousses protègent bien justement mes oreilles. Et ça a un joli son. On verra après. Donc, on continue avec Monoprix. Alors, dehors ce que j'ai acheté à manger, je ne vais pas vous le présenter, ça ne sert à rien, les cornichons et les concentrés, le pain et le ketchup. Je vais vous présenter plutôt, voilà, les choses intéressantes. Mota que j'ai déjà acheté, Nougatine Noisette l'année dernière. Ça coûtait 7,75 € je crois. Oui, c'est assez élevé comme prix, mais j'aime beaucoup ces nougatines, elles sont très très bonnes. C'est Nougatine Noisette et avec un léger. C'est légèrement couvert de chocolat au lait et c'est merveilleusement bon. C'est très très bon, j'adore. J'ai également acheté mes petites choses là, les formules Peps, comme j'aime bien, d'Acobello. À chaque fois j'achète ça. Celle-ci, c'est une nouvelle formule qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Il y en a dedans des physalis, des noix de cajou, des cranberries, des noisettes. Voilà. Et puis. La grande gamine. Je me suis acheté ça. Mais la honte. J'ai trop voulu acheter un Kinder et ça fait longtemps. C'est horrible. Et j'ai acheté ce Kinder-là parce qu'il y a des petites princesses là. Et j'aimerais bien en avoir une. Donc la Reine des Neiges. S'il y en a deux, ça serait encore mieux. Ce que j'aime bien en fait dans les Kinder, c'est cet effet de surprise. Et j'aime bien surtout les figurines. Je n'aime pas. Quand il y a quelque chose à construire, j'aime pas trop. J'aime plus les figurines, les jolies figurines. Et j'aimerais bien en avoir une petite jolie poupée comme ça. Bon, 6 euros hein, quand même. Je vais pas en acheter beaucoup des œufs, beaucoup d'œufs pour chercher la meilleure figurine. Non. Passons aux choses intéressantes. Je me suis acheté donc cette infusion aux plantes. Là, il y a quoi comme plantes? Donc, il y en a.
La camomille, la verveine, l'outillole, fleur de sureau, fleur d'oranger et menthe. Honnêtement, on peut le savourer à froid et à chaud. Moi, je l'ai savouré chaud et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. C'est quelque chose qui apaise beaucoup, qui est très, très doux au goût et qui est un peu berçant, on va dire, à sa berce. Voilà, donc j'ai bien aimé et je me suis dit, je vais renouveler l'expérience. Et comme vous pouvez entendre, c'est pas de la poussière déjà. Puis le thé russe que j'aime énormément, donc de Lipton, de chez Lipton, c'est le seul thé que je préfère chez eux, donc Russian Earl Grey, où il y a de la bergamote, donc voilà, thé en feuilles aromatisé à bergamote et agrumes. Et c'est le moins cher de tout ce que j'ai acheté, il coûte 5,77 €. Ah, par contre, infusion, il coûtait aussi 4 € et quelques, donc c'est l'infusion qui est moins chère. Ensuite, c'est Lipton 5,77 €. Après, c'est Kusmiti, je crois qu'il coûtait 14 et quelques. Celui-ci, Euphoria, que j'ai jamais goûté, mais Kusmiti, c'est un des thés que je préfère le plus. Donc, il y en a ici le mélange de maté, grillé, aromatisé, chocolat et orange. Ça doit être hyper, hyper bon. Je ne sais pas, ça me tente beaucoup. Celui-ci, j'ai vraiment hâte de le goûter. Et puis le tout dernier que je me suis acheté, c'est la marque Love, que je ne me suis jamais acheté et j'ai très très envie de le goûter aussi parce que, bah, tout simplement parce que j'ai jamais goûté le thé de cette marque et parce que tout simplement ça se trouve dans une belle boîte que je pourrais réutiliser ensuite. Et puis, bon, écoutez, hyper cher, 16 € et quelques, je crois. Donc Love et Glögg, c'est un boisson chaude en Suède à la base de vin. Donc c'est du vin chaud avec des épices, des écorces d'orange, de la cannelle et autres qui se boit chaud. Comme en France, on a ce boisson de vin chaud aux épices. Mais en Suède, il est un petit peu plus fort et il y a plus d'épices, j'ai l'impression, qu'en France. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce boisson. Et donc là, je pense que c'est dans le même style, sauf que c'est du thé. Et là, il y a des épices, du raisin, hibiscus et cassis. Et il y a notamment de la cannelle qui est en première place, si on lit bien les ingrédients derrière. Et vous pouvez bien entendre également, selon le bruit, que c'est pas de la poussière qui est dedans. Donc ça fait déjà énormément de plaisir qu'on ne paye pas pour la poussière, mais pour un vrai thé en feuille. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui dans ce haul. Double haul. J'espère que vous avez apprécié les produits. Peut-être que vous avez goûté déjà quelque chose parmi ces produits-là. Sinon, parlez-moi aussi du thé ou du café. Qu'est-ce que vous préférez de boire et qu'est-ce que vous buvez? Donc, quel thé ou quel café? Voilà, ça sera très intéressant de faire ce petit partage entre nous. Sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!